L'industrie du camionnage est une industrie baromètre. Donc, si les commandes de camions sont à la hausse, ça veut dire que l'économie est en train de reprendre. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. C'est d'être un partenaire, un acteur principal dans l'économie du Québec. Transport Guilbeault, c'est 330 camions, 1300 remorques. C'est environ 34 millions de kilomètres par année. C'est un chiffre d'affaires d'au-dessus de 130 millions. Bien, tout d'abord, la chaussure, ça demeure extrêmement complexe. Hein? On est en trois dimensions, on travaille avec toutes sortes de matériaux différents, naturels, le cuir en majorité. Je dis toujours la fameuse machine là, où on met une vache à un bout, on appuie sur un bouton rouge, ça passe dans la grosse boîte noire, une paire de bottes qui sort à l'autre bout, là, ça n'existe pas. Là. Mais les employés ici, évidemment, c'est eux qui font la chaussure, c'est eux qui la conçoivent, qui la dessinent, qui la coupent, qui la taillent, qui vont la coudre, faire le montage, la finition. Donc, c'est eux qui manipulent la chaussure de A à Z, partent d'une peau de cuir pour en faire un produit fini, une chaussure. Nous, ici, on fait à peu près 150 000 paires de chaussures par année avec une centaine d'employés. On exporte environ un tiers de cette production-là à l'extérieur du Canada, un peu partout dans le monde. Un rêve pour l'entreprise, c'est qu'elle puisse continuer à fabriquer des produits ici qui rendent les gens fiers. L'entreprise, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je vous dis, 100 employés ici, probablement 80 dans l'autre supermarché. Je veux dire environ 180 employés qui travaillent dans les deux supermarchés. L'expansion qu'on a eue en 2008, c'était d'ouvrir un supermarché de, en fait, 40 000 pieds total sur la rue du Marais. Quelque chose d'un peu différent. Ouais. Les employés sont non seulement dévoués, mais ils sont loyaux, ils sont créatifs. Ils nous motivent à tous les jours parce qu'ils veulent autant que nous. Et la pérennité de notre entreprise, c'est carrément les gens qui y travaillent. C'est les clients, c'est les gens qui y travaillent, c'est tous les partenaires. Mais c'est d'abord et avant tout l'accueil qu'on fait à notre clientèle puis le service qu'on offre à notre clientèle. C'est ce qui fait que les gens reviennent. Bien, le département des ressources humaines, c'est le département le plus prioritaire chez nous. Bien, le premier ingrédient, c'est l'équipe. Si on n'a pas d'équipe, on a beau avoir une passion, on a beau avoir la meilleure idée du monde. Si on n'a pas personne pour nous entourer, ça ne fonctionnera pas. On est à 200 employés. On avait la distribution qui était là avant qu'on a vendu. On était à 500, on passe de 500 à 200. Le groupe Raté, qu'on a créé il y a environ 4-5 ans, avait pour but justement de venir unifier toutes les différentes divisions. C'est 11 points de détail qu'on appelle pneus ratés, et puis 4 centres de pneus poids lourds, dont un à Fermont. On a une division aussi de pneus OTR, génie civil, que les gens connaissent moins sous le nom de pneus Colosse. Et puis on a une division web pour la boutique de pneus. Je pense qu'il fait la différence chez nous, c'est vraiment le fait qu'on recrute pour les valeurs. On essaie de trouver des gens qui partagent ces valeurs-là, cette valeur-là de prendre plaisir à servir les autres. Ça fait la différence aujourd'hui. Si on peut s'entendre, point de vue de valeur, qu'est-ce que l'entreprise essaie d'accomplir, non seulement pour ses clients, mais à l'interne, on crée un genre de communauté beaucoup plus harmonieuse. Et je pense que cet aspect-là de notre recherche de personnel, cette philosophie fait la différence. Et j'espère qu'il est ressenti, non seulement à l'interne, mais par tous les clients. Aujourd'hui, c'est 15 magasins, un centre de distribution ici à Québec de 650 000 pieds carrés, un centre e-commerce de 150 personnes et 3 000 personnes. Donc, il y a tout un travail derrière l'entreprise, la face visible de l'entreprise, de jeunes, gens très bien scolarisés, créatifs, curieux, qui sont notre avenir, dans le fond.